Monsieur Robineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être devant la caméra d'Eden, d'Équilibre des énergies aujourd'hui. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu rapidement votre société qui existe quand même depuis près de 60 ans, je crois. Tout à fait, c'était dans les années 60. Foncer a été créé pour commercialiser les systèmes de chauffage et air chaud. Et petit à petit, n'a gardé que les accessoires de ces chauffages pour devenir aujourd'hui un spécialiste d'un métier que l'on appelle l'aérolique, qui est le moyen de transporter l'air pour le confort des occupants. L'activité de Foncer, c'est concevoir des produits destinés à la ventilation, au chauffage, au rafraîchissement, mais toujours par l'air, et le commercialiser auprès des installateurs de génie climatique. Notre stratégie de conception nous permet une certaine liberté par rapport au système à utiliser en fonction des installations et en fonction des bâtiments et d'afficher une vraie neutralité par rapport à cela et pouvoir toujours proposer le meilleur système au meilleur endroit. On a pu, grâce à la mise à disposition à des prix raisonnables des moteurs d'IECM, donc à commutation électronique, on peut aujourd'hui effectivement beaucoup mieux gérer les débits de ventilation, et notamment lorsque l'on cherche à avoir une modulation des débits, parce que les débits sont pas, le même débit n'est pas toujours utile dans toutes les circonstances. On va donc pouvoir faire varier la vitesse de rotation de ces ventilateurs, qui va varier naturellement en fonction de la pression du réseau. Et donc, cette variation, d'une part, permet de baisser très fortement les consommations, mais également de baisser le niveau acoustique de ces ventilateurs, qui est la gêne la plus fréquemment entendue. Oui, tout à fait. Si on utilise un système double flux, ce qui est totalement recommandé pour ce type d'habitation, on va pouvoir également utiliser la ventilation pour assurer le chauffage de la maison en rajoutant une petite batterie électrique qui va nous permettre d'atteindre les degrés manquants. Les récupérateurs des ventilations double flux aujourd'hui permettent de récupérer environ 90% de la chaleur extraite. Donc l'appoint apporté est extrêmement faible. L'RT a apporté beaucoup au métier, hein. Il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, beaucoup d'innovations sont dues aux évolutions de l'RT, sauf que l'RT n'a privilégié uniquement l'efficacité énergétique au détriment de toute autre solution. Et aujourd'hui, la ventilation pratiquement incontournable est la ventilation dite hydroréglable, qui est largement favorisée dans le moteur de calcul. Cette ventilation hydroréglable a un avantage, elle consomme peu, c'est clair. Cela dit, elle a un gros désavantage, elle extrait très peu d'air, donc renouvelle très peu l'air de votre appartement et en plus ne réagit que par rapport à l'humidité que vous allez trouver dans votre salle de bain ou dans votre cuisine. Ce qui n'a rien à voir avec l'humidité que vous allez avoir dans votre salon ou dans votre chambre à coucher. De plus, dans ces systèmes simple flux, vous allez rentrer de l'air à l'intérieur qui n'est pas ni réchauffé, ni filtré. Et donc, on peut considérer que vous allez rentrer des polluants à l'intérieur. Et de plus, si vous trouvez dans un hiver bruyant, vous allez rentrer également, le bruit va pénétrer dans votre appartement. Ce qui fait que vous allez avoir un système jugé inconfortable par les occupants. Le résultat, c'est que bien, en plus, malheureusement, bien souvent, ces occupants, le jour inconfortable, vont boucher les entrées d'air, ce qui fait que la ventilation ne marchera plus du tout. Je pense que dans le moteur de calcul, on n'a pas intégré en fait toutes les évolutions qui permettent de dire aujourd'hui qu'un système double flux ne consomme pas plus qu'un système simple flux. C'est très difficile d'intégrer puisque vous avez différents modèles qui existent, vous avez différents types de moteurs, vous avez différents types d'échangeurs. Mais si on prenait la peine de rentrer tout ce genre de détails, je pense qu'on arriverait aujourd'hui à avoir des solutions réellement comparables sur un plan énergétique, mais incomparables sur le plan qualité d'air et confort pour les occupants. Le monde de la ventilation est un monde très technique, que peu de gens maîtrisent en réalité. Hein. Et c'est d'ailleurs souvent le problème rencontré avec les systèmes en place, c'est que on constate énormément de dysfonctionnements et qui sont très difficiles à comprendre. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez, c'est simplement une bouche dans votre cuisine, dans votre salle de bain, et vous ne voyez pas les tuyaux qui sont derrière, vous ne voyez pas le ventilateur qui se trouve sur le toit,